Et donc bonjour à tous, c'est Dazer. Donc on se retrouve pour une nouvelle partie de Hype Escape, vous le savez hein. J'ai une vie, enfin deux si on compte le fait qu'il y a des ennemis qui nous en font perdre qu'une. Enfin qu'un millième plutôt. Et on se retrouve pour le dernier niveau. Donc c'est cool. J'ai vraiment dit un millième là. Bon, on s'en branle. Donc la même chose que dans l'autre le niveau d'avant hein, on doit juste capturer les singes, on doit juste capturer Spectre, on s'en branle les singes. Donc oui, c'est en quelque sorte le niveau final. Oulala, avec une banane géante qui pointe la terre. Ah ouais hein. Parce qu'elles sont pas que sur la terre les bananes, il y en a aussi qui la pointent. Alors Jojo, tu tires ou tu pointes? Donc, comme d'habitude, il y a bah, voilà quoi, il y a les singes volants, ce qui est logique. Qui n'a jamais vu un singe voler. Donc je vais essayer de récupérer directement tous les singes du niveau, comme ça ensuite ce sera fait et ça m'arrangerait. Parce qu'il y en a vraiment des qui sont relous, mais je vous assure. Bon, ce qui me fait chier, c'est que dans ce niveau, je dois vous avouer que je sais plus du tout où est le singe secret. Donc ça va me faire un peu chier ça quand je le ferai après. Enfin, quand je ferai les singes secrets ensuite. Mais bon, on n'y est pas encore. Quoique si, j'ai peut-être une idée. Enfin bref. Non, préoccupons-nous des singes normales ou normaux puisqu'ils ont plus d'heures. Enfin bon. Là c'est une autre histoire. Oh mais c'est ça que je voulais éviter. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais au moins. Bouboule. Son nom lui elle est trop pas. Bah par contre là il me reste qu'une vie donc enfin un PV pardon. Oh tu vas me faire chier eux. On perd mon temps parce que ouais, ce niveau dans mes souvenirs il est plus long que l'ancien donc j'aimerais me grouiller un petit peu. Donc le boss aussi est long dans mes souvenirs. Enfin Spectre plutôt maintenant que vous savez qui c'est le dernier boss. Ça, je pense que vous le saviez déjà. Hein. Parce qu'il faudrait être un peu con pour pas s'en douter. Quand même. Bon, je suis content, j'ai refait le plan en PV. Je peux donc repartir vaillamment à l'aventure. Wouh! Aucun ennemi pour le moment. Oh non, un ennemi, je suis foutu. Fuyons. Là. Là, par contre, je tombe pas, merci. Hein. Quand même. Oh putain, j'aimerais bien le pécho sans qu'il me remarque. Ça va être chaud, il y en a un qui me regarde et j'ai pas envie de m'arrêter. Non, non, putain, bon, moi j'en aurais qu'un à niquer. On s'en gagne un peu de temps, hein. Et ouais, c'est con, hein. Bon, vas-y. Ouf. Oh, j'ai eu chaud, moi. Oh, c'est pas passé loin, là, hein. Bon, tu pètes. Ah, voilà, je préfère ça. Genre, il était pas évanoui quand on pète. On aura tout vu dans ce jeu. Et bah un autre. Voilà, maintenant, je suis full PV. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein, parce que, bon, on en aura besoin. J'en aurais besoin, pourquoi je me vous vois? Encore un singe? Oh, ils sont relous! Oh ouais, c'est beau ça! Oh voilà, il est déjà mort! Oh, comment je l'ai niqué en deux! Oh là là, j'ai roxé du poney là! Et même plus que du poney! Ah! Ces phases là, vous savez ce que c'est hein, maintenant! Mais comme j'ai la flemme de mettre de la musique, bah je foutrai rien au montage, hein, voilà. On fera 100, hein, ouais, pour une fois je parle par-dessus. On peut dire que ma voix est un petit peu musicale dans un sens, vu que je mets tout le temps de la musique et que là je parle à la place. En fait, il faudrait peut-être que je chante. Non, 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 finalement je vais pas chanter. Hein. Ça vous ferait trop plaisir. Voilà, tout ça c'est fait. Et... Oh, j'ai eu chaud. J'avais pas trop envie de tomber dans le vide, hein. Parce que honnêtement j'aime pas trop les phases comme ça, je trouve que c'est une perte de temps, mais un truc de fou. Ah merde, c'est vrai, j'ai enlevé mon gadget. Mon cerceau SF, oulala. Hop, oh, j'ai eu chaud. Putain. Donc oui, je vous dis que c'est un niveau, il y a un dernier gadget, vous pouvez sûrement vous demander ce que c'est. Bah, ouais en fait non, je vous laisse la surprise, comme ça vous verrez quand on verra. Mais rien d'impressionnant, vous en faites pas. Allez, on y est presque. Bon, j'espère que ça passe. Bon, c'est bon, ça passe. J'ai eu de la chance. Non, je vais pas sauter maintenant. Ah oui, sautons, mes amis. Voilà. Ah,
Non, 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 non. Ah oui, c'est beau ça. Ça, par contre, c'est moins beau. Non, 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 pas la bombe. Pas le méchant, pas le méchant, lâche-moi. Oh putain, comment il vise loin, lui. Gros bazar. Voilà. Gros bâtard, tiens, c'est nouveau ça. Oh ouais, je savais pas qu'on pouvait le faire tomber comme ça. Oh, c'est cool. Je veux dire, non, non, je le savais en fait, hein. C'est pour faire genre. Et vu comme je connais plein de trucs sur le jeu. Parce que oui, je le savais, hein. Vous me prenez pour qui? Non, mais oh. Voilà un méga bistui. En fait, je trouve toujours des méga bistui quand j'en ai pas besoin, c'est un peu dégueulasse ça. Enfin bon, on va dire que ça fait des réserves à Pikachu, en fait, j'espère. Parce que je sais pas trop comment ça fonctionne le système de réserve dans le jeu. Bon là, le singe est à poil. Et pour de vrai, pour une fois, hein. pas de pornographie, merci. Oh putain. Si je suis repoussé, ça le fait pas. Ah oui, des pièces. Entrons dans le cordon ombilical. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Nickel. Non, oh oui. Oh, c'est beau. Putain, mais là je gère comme un porc. Et même plus qu'un porc. Un porcelet. Ah, ça c'est chiant. Enfin bon, de toute façon, je trouve tout chiant dans le jeu alors. À chaque fois, quand je fais un truc, je dis oh, c'est chiant ça, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Mais bon, je me plains tout le temps comme ça, j'ai remarqué. Et cela depuis Tales of Phantasia. Mon premier walkthrough, en somme. Hein. Donc, on va pas chercher loin. J'ai rien qui me vise pas. On me tire pas dessus. Ouais, c'est bon. Gentil. Pas taper. Je sais pas comment vous prenez dans le billet ici, ça me vachement con quand même. Bon là, c'est pas... Faut être logique pour rentrer, on utilise notre hélicoptère volant. En même temps, un hélicoptère, c'est un peu fait pour voler. On fait un truc tout con, en fait, les potes bananes qui bouchent les chiottes. Oui, parce que ce sont des chiottes. Je ne ferai pas de référence à une certaine personne sur un certain groupe Skype qui a eu un petit phare qui est venu nous dire ce qu'il faisait au moment où il était absent. Voilà. Ça c'est un gros private jet quand même, hein. Faut l'avouer. J'avoue que là c'est un humour assez spécial que beaucoup ne comprendront pas. Ah bon, du moment que je dis pas carrément le pourquoi du comment, parce que sinon ça rentre dans l'humour pipi caca et bon, c'est plus intéressant. Donc autant laisser un peu de suspense en laissant la blague à l'écart, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas trop l'humour pipi caca, honnêtement, je trouve ça puéril. Comme quelqu'un me l'avait dit dans la vidéo de la Klaxolus. Puéril, immature. Oh là là. Ouais bon, ouais, je vais redire au bout de cette vidéo, hein, c'était total du délire. Hein. J'ai rien contre ces jeux. De toute façon, je leur dirai la 200ème ça, parce que... La 200ème, je pense que... là, la plupart des personnes qui sont abonnées à moi la regarderont, comparé aux vidéos d'Hype Escape ou de Witherm 5, parce que voilà, je pense que... enfin, du moins, c'est mon avis perso, mais je pense que généralement, les personnes qui s'abonnent à Wolfmaker ou d'autres personnes comme ça, c'est souvent pour les jeux qui font. Donc bon, je pense qu'il y en a des qui vont plus se regarder un Wolfmaker qu'un autre, donc je préfère autant dire ça de la 200ème, parce que ça, je pense que c'est le genre de choses que tout le monde, enfin que le plus de personnes risquent de regarder. Laser. Ouh, non. Oh, j'ai eu peur. Non, je déconne. Ah non, mais là, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, c'est un truc de fou. Enfin, la vie d'Icarus plutôt. Kakeru, pardon. Icarus, c'est le héros du 1. Du moins, c'est le nom qu'il obtient dans le 2, le héros du 1. Parce que dans le 1 original, il a le nom Spike. Et vive les noms japonais francétisés, hein, comme on dit. Le pauvre Spike. Ça a pas dû être facile tous les jours, hein. Enfin bref, mieux vaut lui que moi, comme je dis tout le temps. D'ailleurs, ça, je l'ai ressorti souvent, faudrait que j'arrête. Non. Mais, là, je crois que je suis même pas à la moitié du niveau, ça me fait un peu chier. Ah non, ce niveau, vous allez voir, il est vachement long. Vachement long, j'exagère comme d'habitude, mais bon, voilà quoi, il est long. Non. Oh. Bon, je m'en branle, c'est mon premier. C'est bien. Oh non, non, ma vie n'a plus de raison de vivre. Oh, en fait, c'est mon premier, je m'en branle. C'est le mec qui est totalement là, à côté de la plaque, là. Voilà. Ouh, du calme. Bon, je prends mon canon à eau. Alors, c'est sûr que
parce que vous voulez que ça soit d'autres que de l'eau. Oh non. Oh non non non. Mauvaise posture. Oh merde, non, ça je l'ai déjà. Oh là, Lucan. Voilà. Oh putain. Viens, prends-toi de l'eau plein la face. Oh mon singe. Non, moi aussi j'ai un pistolet, on fait moi le malin, hein. Non, c'est qui le patron maintenant, hein? C'est qui? Bah c'est moi. Voilà. Dart chimpanzé. Wouh. Chimpanzeur. Oula, m'a raté. Aïe, non, j'ai pas mal. Eh, hey, reviens. Mais non. Eh, je vais pas me faire défoncer par un connard. Non. Oh putain. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh là, il y a eu un bug, il est en train de se branler contre un poteau. Contre un pilier. Ce connard, moi je fais le mal. Mais non. Non, 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 j'ai pas envie de mourir ici, non. Pipochi. Oh, sans toi, je sais pas ce que je ferais. T'es pas sérieux, là. T'es pas sérieux, là. Oh, ah, ouais, je reviens ici, c'est cool. Mais j'ai perdu une vie. Eh, mais toi, je vais te défoncer, mon pote. Je vais t'allumer, mon pote. Je vais faire un deuxième trou de balle. Ne tombe pas, mais... Oh, allez. Gori One Kenobi. Ah, on sent trop pas la référence, hein. Oui, dans le dos, c'est un peu mal fait, je trouve, parce que voilà quoi, le singe il ressemblait que dalle à Obi-Wan, alors que dans Episcope 3, bah, il s'était vraiment fait chier à donner à chaque singe une apparence différente. Donc c'est quand même un gros point qui est largement mieux dans le 3 comparé au 2. Biscuit, mais j'en ai plus besoin maintenant. Nawak. Tu me files des biscuits quand j'en ai pas besoin, mais il faut pas abuser. Pas, voilà. Ok. Non. Pas un rouge. Pas un rouge. Oh oui. Oui 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 oui. Oh c'est bon ça. Toi je t'aime. Le temps cracheur de feu, je t'aime. Oh ça c'est relou. Oh je déteste ce moment parce que c'est d'une chiantise. Regardez. On tire juste cette merde. Et voilà. Faut la tirer. On a largement le temps de l'amener au bout du truc. On se demande qu'est-ce qu'a fout là cette phase. C'est juste une perte de temps. Mais aussi un truc mis pour faire genre oh bah nous on diversifie le gameplay. Oh là. Non, je sais pas ce que j'ai ce soir, j'arrête pas de critiquer le jeu. Faudrait que j'arrête. Bon allez, on en a pas toute la journée. Voilà. Oh non, mais je rêve, c'est une malédiction. Vraiment cherchant. Non. Pas ça. Oh là là. Oh mais là, il cherche vraiment à me tuer. Oh non, mais c'est un truc de fou. Eh hey, mais qu'est-ce que je lui ai fait au jeu là, sérieux? Est-ce que je mérite réellement ça? Bon, je vois déjà les mecs dans les commentaires. C'était trop lol Dazer quand t'as crié dans la salle. Non, je déconne. Non, là je suis le méchant. Mais bon, je suis... Non, mais là ça... Oh Jack, j'ai trouvé ma journée ennuyante à souhait, mais là... Mais ils veulent me finir. Non. Mais non, mais je dis non là. Oh, en plus lui il speed bien, dis donc. Oh là là. Bon là on a le temps d'aller se faire un café, hein. Par contre faut trouver un moyen de bloquer le joystick contre le truc métallique. La plaque métallique volante. Oui, hein, c'est logique, les plaques métalliques volent. Depuis le début de ce jeu je me pose même plus de questions parce que sinon je commencerai à me demander la raison de mon existence et que ça ce serait pas bon pour moi. Car ça doit pas être du joli joli, hein. Non, sérieux là, active le speedrun. Parce que c'est... Non mais...
c'est la mort là. Putain, y'a pas un moyen de bouger là en volant là. Et c'est reparti pour un tour. Wouh. Ah, tuez-moi. Plus vite, allez. Oh. Allez, ça a l'air d'être le dernier. Ça a l'air, hein, parce que je me souviens pas totalement. Et d'après ce que j'en ai vu de la salle. Hein. Allez, courage, c'est la fin. Dernière ligne droite, les mecs. Oh. Oh, la divine providence. Oh non, il en reste un. Oh, c'est un cauchemar. Allez, roule-toi. Eh oh, allez papy là, 15 minutes. Putain, mais il se bouge. Eh, hey, mais reviens. J'en ai... Ah ok, je comprends mieux. Ouais. Accroche-toi, accroche-toi, voilà. Pas le con non plus, hein, bébère. Ouais, je donne un nom à la plaque métallique volante. Bébère. Voilà, merci bébère. Au revoir bébère. Ah oui, oui. Non, 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 non. Oh, 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 j'ai eu peur. Putain. Ouais, il y en a encore des commentaires qui vont me dire oh Dazer, quand tu dis non plein de fois d'affilée en criant, on a l'impression que tu te fais violer, lol. Bah merci à vous, hein. Ça fait grave plaisir. Ah, enfin quelque chose qui va un peu être plus facile. Là on se sent vraiment invincible. Ouais, tape-toi la pose si tu veux, hein. Oula. Voilà, suivant. Qu'est-ce qu'ils font les mini-moy là? Tiens, prends ça. Alors, je sais pas pourquoi il y a un bug là, mais. A chaque fois que je tape genre un robot géant, il devient invisible quand il est en mode... Ah non, là il a... Ouais, force... Mais pourquoi dès que je dis un truc, les ennemis ne le font plus? Mais arrête de me taper, c'est... Quoi? Non! Voilà, je suis jamais mort dans ce engin, c'est pas maintenant que ça va arriver, hein. Oh, plus quoi encore? Faut pas abuser non plus, hein. Putain, là, c'est vrai que j'ai pas mon... Reviens! Oh mais pas toi! Casse-toi! Putain, c'est vrai qu'il a deux vies, ce connard! Enculé de cochon! Espèce de porc! Putain, il est déjà là-bas l'autre! Qu'est-ce qu'il nous fait son sprint là? Eh mec, on n'est pas aux 100 mètres, reviens ici! Putain, je vais me faire chier pour le pécho, je suis. Pas qui. Bon, les ennemis, ils virent. Qu'est-ce qui se tape à 100 mètres tout seul entre la porte et... Non, 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 pas ça, pas ça. Mais non, mais je l'ai tapé, là. Pourquoi il est pas tombé? Non, il va retourner tout à l'autre bouffe. Non, 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 pas... Non, 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 mais... Oh, là, là. Bon, je n'ai rien compris à la scène qui vient de se produire. On va y aller tranquillement, d'accord? Ah, bah, c'est plus facile quand c'est le singe qui fait le son saut, hein. En un saut, il fait ce que nous, on fait, même pas en double saut. Si je peux me faire niquer. Tape-toi un sprint entre la porte et moi, si tu veux. Si tu vas pas me niquer, mon coco. Non, mais pourquoi il m'a encore niqué? Viens là. Coucher. Oui. Trop facile. Grave, c'était grave facile, hein. Il a réussi à nous faire tomber dans un trou sans nous toucher, c'était grave facile, moi je le dis. Lui en fait... Oh j'ai eu peur là, sérieux, j'ai... Non mais là... Non, c'est... non, là c'est la journée qui remonte, je... Oh, là. Aïe, putain, j'ai failli tomber par... Oui, parce que je me suis mis debout. C'est toujours comme ça, quand je suis grave stressé dans un jeu, je me mets debout. Faut pas chercher à comprendre. Donc là en fait, je peux assis sur ma chaise. Ah, oui, 36 15 miles life, mais je m'en fous hein. Oh là, oh là là, oh. Mais... Oh bon fuck. Wow, 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 wow. Non. Oh, 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 je l'ai eu du premier coup. Oh, c'est pas possible. Je suis en train de faire un rêve là. Un rêve éveillé. Attendez. Alors, le truc là, le bouton qui est là-bas, on n'est pas censé l'activer maintenant. Mais vu que moi j'ai envie de l'activer maintenant, je l'active maintenant. Voilà. En fait, je sais même pas si ça servira à quelque chose d'activer maintenant. Parce que je sais plus si le
bloc qu'on active reste ou pas. Bon, allez, du calme Dazer, rassis-toi. Voilà. Allez, on est presque boss en plus là. Je suis sûr que c'est la salle de fin dans mes souvenirs. Oh, oh, je la sens pas. Oh non, je la sens trop pas. Oh non. Oh mais comment j'ai fait quand j'étais petit. Ah bah ok, comme ça, ouais. Alors toi, tu vas pas me niquer, moi, je te le dis. Ah là, j'ai eu de la chance. Voilà, re. Donc désolé de la petite absence, hein. J'ai eu un petit problème sur le plat. Si on peut appeler ça un plat, du moins, donc bon, je suis un peu calmé. Comparé à tout à l'heure, du moins, hein. Donc on va essayer d'être un peu plus calme, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, s'il faut que j'aille, ok, là-bas. Parce que bon, on est bientôt au boss, mine de rien, et puis voilà, quoi, j'ai pas envie de me mettre à gueuler comme un fou parce que j'arrête pas de perdre. Parce que c'est totalement puéril et immature. Comme l'ont dit ce cher Oanar, il me semble, dans les commentaires de la claque Solus. Hein. Puéril et immature, attention. Oh là là. Ouais. C'est parti. Donc bon. Il me semble qu'on arrive au bout de la salle là, ouais. C'est cool ça. Par contre, pourquoi j'ai... Non, 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 tu vas pas me niquer toi. Oh là, parce qu'en fait, elles arrêtent pas de monter et de descendre. Mais vu qu'elles sont un peu transparentes, on remarque pas trop si elles sont sous le... l'électricité au-dessus. Bon, ça normalement ça arrête les... voilà, ça la stoppe l'électricité. Et on va devoir monter dessus. J'aime. Et normalement il me semble que là, non, ah non, merde, non, non, je dis de la merde. Il y a encore des salles. J'ai confondu la salle avec, enfin il me semble que... soit il y a encore des salles, soit il y a un endroit où on peut accéder de cette salle. Oh sa mère. Oh, ce gadget, il est magnifico. Sans lui, je serais mort là. Alors, est-ce que... Ouais, non, apparemment... en fait, c'est pas la dernière salle, j'ai dit de la merde. C'est la dernière salle, mais je crois qu'on y revient après, en fait. Ouais, voilà, on va y revenir dans quelques minutes. Quelques secondes, pardon. Parce que je crois qu'on monte juste ça, et c'est bon, on est arrivé à une hauteur un peu plus haute de la salle. Putain, c'est magnifique ce que je viens de dire. Une hauteur un peu plus haute. Oh là là. Alors là, donc truc qu'on trouve pas forcément la première fois qu'on fait le jeu, on doit aller à la pièce là-bas. Hein. La première fois que j'ai fait le jeu, moi je l'ai pas trouvé. C'est quand j'ai voulu faire tous les singes dans le jeu que j'avais trouvé. Donc ça, on peut pas le récupérer maintenant. Okay. Donc je suppose que maintenant vous savez où. Bon voilà, le singe secret du niveau, on sait où il est comme ça. Il est beau. Hein. Ça fait trop pas de référence à un film très connu. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Donc normalement, alors là, si mes souvenirs sont bons, on est... Oh, j'ai failli retomber à l'étage du tout, je répétais les plombs. Donc si mes souvenirs sont bons, là, on est vachement proche du boss. Ça va être long cette vidéo, hein, parce qu'après, il y a le générique et tout. Surtout que c'est même pas le vrai générique de fin, vu qu'après, je me fais le jeu à 100%. Et oui, j'ai quand même l'audace de me faire le jeu à 100%. Hein. Alors, encore une phase totalement inutile, mais bon, je crois que maintenant, on a l'habitude. Remarquez qu'on voit la lune derrière, là, en fond, l'énorme truc, c'est la lune. Allez, dépêche-toi. On crée plus que je tombe dans la mer de sérénité. Hein. Ah, mais quand je vous disais que ces phases-là, on doit pousser des blocs à la con, mais c'est juste du rajout pour nous faire perdre du temps. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Non, mais bien sûr, j'étais pas proche là. Bon, si, un petit peu, mais... Oh, et puis fuck, allez, on y va. Alors, ah ouais, voilà, on est arrivé à la salle de fin, donc c'est ici. Attention, combat contre un boss.
cinématique. Tu en as mis du temps, jeune. Claire, 40 minutes. Mais il est trop tard. Bon, en réalité 25 minutes, mais bon, voilà. Kamehameha. Ah oui, c'est vrai. Je dois d'abord venger mes amis, les 500. Donkey Kong. Qu'en penses-tu? Il s'appelle Robokong. Une fois pris dans ses cymbales, tu ne pourras plus... Non mais il n'y a pas à être pris dedans, ça ira plus vite. Il meurt d'impatience de jouer avec toi. Viens, oui. Je te laisse, mon cher Ikaro. En fait, le fait qu'il appelle Garou, je me demande si j'ai pas dit de la merde tout à l'heure. Je crois que tout à l'heure, je l'ai appelé Kakeru, le héros. Comment fuck, Kakeru c'est le héros du 1 et Garou celui du 2. C'est pas complexe, hein. C'est pas compliqué. Donc là, il nous envoie des ennemis à la con, c'est pas un boss bien dur, et il y en a un autre juste après. Donc oui, on se fait deux boss d'affilée. Ah, par contre ça, faut se baisser, voilà. On craint rien. Et il me semble que là, il va ouvrir son bide. Enfin, on peut l'attaquer, voilà, on peut l'attaquer. C'est cool. C'est comme ça pendant moult fois, si je peux me permettre. Oh là, j'ai parlé en ancien français, là, c'est horrible. Oh là, j'avais oublié cette technique. Non, 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 oh, j'ai eu chaud. Ma parole. Oh, c'est pas passé loin. Là, on a ces ennemis la con, là, qui nous refilent plus de vie qu'autre chose. Bon, d'accord, ils nous filent plus des pièces, en réalité. Mais quand ils sont sympas, ils nous offrent des vies. J'ai pas. Ah, on peut l'attaquer là, c'est vrai. Je sais plus où une fois faire ça. Je crois que 3 fois et c'est bon, mais je suis plus sûr là. Ah, sérieux, ces ennemis, c'est trop des boules. Ils servent à que dalle. Oh, je t'ai senti venir là, mon pote. Voilà. Bon, s'il te plaît, tu brouilles de faire ton laser léthargique. Enfin, ton laser léthargique. Ton laser tout court. Ah ! Mais je me suis... Bon, allez, je vais rien dire parce que ça a porté malchance. Et voilà, 3 fois, je l'avais dit. Oh, la belle rouge. La belle rouge. La belle rouge. Alors, surpris, petit morveux. Délecte-toi de ce spectacle. Génial, maintenant on est les Power Rangers. Bon, c'est pas grave, hein. Ultra Goliath va t'écraser, Minus. Tu seras bientôt plus qu'une vache sur le sol. Pour y échapper, tu n'as qu'à courir vite. On s'en branle, ça nous arrange. Je peux t'écraser moi-même après tout. Cette fois-ci, t'es à moi. Donc oui, là on aura besoin de l'aimant, hein, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Et en fait, va juste falloir éviter ces attaques jusqu'à ce qu'on puisse utiliser, l'aimant sur son bide. Voilà, c'est un truc à la con, faut juste éviter ses points. Par contre, quand il tape dans le sol, il détruit les dalles, mais faites gaffe, hein. Ça, c'est sûrement une des attaques les plus simples à éviter. Elle est sympa parce qu'elle nous donne des biscuits parfois au centre de la pièce. Alors, ensuite, on a l'occasion d'aller lui ouvrir le bide. Et voilà, faire ça un certain nombre de fois, comme la dernière fois. Oh, j'ai fait un rime. Avec le même mot en plus. C'est beau. Oh là, j'ai failli tomber. Donc vous remarquez qu'il arrête pas de nous appeler meurt. Je crois peut-être que c'était le nom de sa mère, hein, donc. Par simple légitimation, bah il nous appelle comme ça. Oui, légitimation, hein, c'est beau. Ah ouais, quand on fait de la merde aussi, il peut détruire deux dalles. Comme actuellement, hein. Donc là, ça m'arrange pas trop, mais enfin, on va faire avec. Du moment qu'il pète pas les dalles du milieu, ça va. S'il pète des dalles du milieu, là on est réellement dans la merde. Bon, il m'a filé un biscuit en plus, il est sympa.
Comme tu es généreux, mon jeune ami, je me délecte de ce mets fabuleux. Ouais, encore une fois au doux, je pense que ça sera bon. Un boss vachement dur, hein. Allez, attaque, qu'on en finisse. Rate. Rate. Oh merde, j'ai touché un peu le milieu. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, du calme, mon pote. Bon, là, il a un peu fait le bordel sur la salle. On a plus trop de place pour... Oh non, ça, c'est l'attaque la plus relou. Oh, voilà, c'est ça que j'aime pas, parce qu'il nous fait super mal. Il nous attrape, il nous balance. Bah, brouille-toi de lancer une attaque, on en finit. Allez. Bon, là, il est mort, si tout se passe bien. Ok, prochain tour, je pense. J'espère, hein, parce que bon, voilà, j'ai pas que ça à faire toute la journée non plus. Hein. Même si en réalité, on est en fin de journée. Allons-y. Ah oui, allons-y. Oulala. Oh, oh, j'ai fait de la merde, là. Les dalles où je vais jamais faire des tours en fait, parce que ça m'arrange un peu plus. Oh là là, et ça va pas trop me gêner. Putain, en fait ça faut prendre le cerceau, mais j'ai la flemme de le rééquiper. Parce que je pense que j'aurai assez de ville avec ce que j'ai pour le finir. Bon ok, je dis de la merde en fait. En fait là je me suis touché une fois, je pense que je crève. Donc je vais essayer de pas faire de la main, parce que si je crève, je vais le recommencer depuis le début. Enfin, je dois pas refaire le premier boss, mais je dois refaire celui-là depuis le début, et ça, rien que ça me ferait chier, vous voyez. Bon là, faut que je reprends mon cerceau histoire de pas être dans la merde. C'est comme ça, s'il refait l'attaque des mains, bah, je pourrais les viser quoi. Oh non, j'avais oublié cette phase. Putain, il est relou là. J'aime pas ce boss, il est ennuyant. Et je fais quoi moi maintenant là? J'ai plus de dalle. T'es pas sérieux? Non, non, je veux pas mourir ici. Pipochi, Pipochi, pitié. Pitié, Pipochi. Oh oui, Pipochi, putain. Hey, mais j'ai trop de choses. La première fois que j'ai fait le jeu, je me souviens que Pipochi il me rendait pas à tous les coups des vies. Et là, mais dès que je meurs, il m'en rend, c'est un truc de fou. J'ai de la chance, hein. Oh la merde, c'est vrai, faut que je prenne mon autre gadget, l'aimant. Et normalement là je l'ai niqué. Voilà, j'ai fini Hype Escape 2 une première fois. C'est cool ça, non? Mais qu'est-ce qui tu viens de mourir, hein. Enfin non, t'es pas mort. Péter la gueule par un gosse de 10 ans. Même si je lui donnerais plutôt 8 ans, Ikaru. Alors là, scène magnifique qui ferait face à des films d'action incroyables. Ouais, je crois que c'est son nom, on le sait maintenant. Hein. Je ne t'imaginais pas si obstiné. On est aussi très obsédé, tu sais. Pas mal non plus pour un singe. T'en as dans le ventre, dis-moi. Ça, je dois le reconnaître. Mais cette fois, c'est la fin. Ah non, il me reste tous les autres singes, j'ai capturé, Lopette. Derrière moi, tu la vois? Si j'appuie dessus, il en sera fini de l'espèce. C'est con, ça. Quoi? Allez, petit, admets que notre race est de loin supérieure à la vôtre. Tu dois confondre, là. Tu ignores tout de notre espèce. Quoi? Les hommes n'abandonnent jamais. C'est la espèce, ça rime avec fesse. Pourquoi tu ne l'emporteras pas? Laisse tomber. Et là, attention, moment incroyablement intense. Ouais, Spectre, il avait grave pas le temps d'appuyer sur le levier quand même. Hein. Pas tout à fait. Oh, ils sont téléportés.
Bien sûr, hein. On y croit. Remarquez que le vaisseau, il est hyper petit quand même. Remarquez aussi que la Terre tourne super vite là. Et maintenant générique de fin, attention. Ah, déchire la musique de fin, ça c'est un truc de fou. Donc, admirez-moi cette cinématique quand même, vous allez voir. Bon, on voit un singe passer dans une assiette. Jusque là tout va bien. On voit un autre singe dans une assiette. Bon là on voit de la bouffe japonaise dans une assiette, ça devient un peu logique là. Là encore des singes dans une assiette. Encore de la bouffe avec un panneau. Hein. Là on a encore un singe dans une assiette. Et en fait, bon pour faire bref, c'est comme ça tout le long. Pendant tout le générique c'est comme ça, donc ça dure assez longtemps. Heureusement que la musique est assez bonne, sinon ça serait pété les plombs. Mais pour faire bref, il y a un bouton pour speeder un peu le truc. Voilà, start. Donc on va en abuser. Hein. Normalement là ça sauvegarde, voilà, sauvegarde. Tout goulou goulou, on va sauvegarder ici, tant qu'à faire. Grotte ciel land, ouais. Donc oui, j'ai fini le jeu, mais j'ai pas réellement fini le jeu, parce que je vise forcément tous les singes du jeu. Hein. Et oui, Dazer vise haut, lui, il n'a pas des petites visions de petites larves insignifiantes. Donc voilà, on va retourner sur le jeu tout de suite. Hop là. Parce que il me semble qu'on va nous parler. Voilà. Alors on s'est fait, normalement on s'est fait bluffer comme des pigeons. Il s'est produit une catastrophe, Icarou. Le transporteur était en panne, Spectre a réussi à trouver une faille et il s'est échappé. Oh bah zut alors! Il a sûrement un plan machiavélique destiné aux singes qui sont en train de... Ta gueule, Larousse. Parlerai-vous de moi? Spectre! Vous n'imaginiez pas me capturer si facilement. Icao, tu m'as humilié, petit morveux. Et ça, crois-moi, tu me le paieras très cher. Allez, bye bye. Zut! Il reste quelques singes turbulents par ici. Dépêche-toi de tous les attraper. Si tu ne le fais pas vite, tous nos efforts seront ruinés. Tu y es presque, Icarou. Encore un petit effort. Oh là là, tous nos efforts ruinés, oh mon dieu. Icarou, actionne le toutiscope. Donc voilà, on obtient le toutiscope, hein, comme il vient de nous le dire. Donc maintenant qu'on appuie sur L2, en fait, on a une espèce de viseur comme ça, et ça ne fait absolument rien, mis à part que maintenant, bah, quand il y a des singes secrets dans les niveaux, on pourra les détecter. Et pour la dernière arme, parce que vous voyez qu'il va manquer une, bah, vous verrez ça de la prochaine vidéo, parce que oui, là la vidéo a fait quand même 38 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Donc sur ce, bah, j'espère que ça vous aura plu. Mais c'est con quand même. Spectre qui s'est échappé. On s'y attendait pas, quand même. Donc bon, forcément, je visais tous les singes. Hein. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo, hein, parce que là, c'est bon. 38 minutes, faut pas péter, faut pas casser les pieds à Pépé non plus. Hein. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut à tous.